Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims Medieval. Je me suis dit, tiens, on va aller dans le village, là, on y est. Et on va créer quelqu'un, on va créer un barde. Enfin, une barde, j'ai envie que ce soit une fille pour changer, voilà, comme ça c'est un peu équitable. On a déjà la souveraine et la sorcière, le chevalier et l'espion. Pour le barde, j'ai envie que ce soit une fille, donc on va créer notre Sim barde. C'est parti. Mon petit kiki. Non, on veut une femelle. Oh bah, elle est pas trop mal. Attendez, je sais plus comment on tourne. Ouais, mais bon, comme d'habitude, on va la relooker un peu parce que bon, c'est pas la plus belle du monde, quoi. Allez, je vous retrouve tout de suite après que j'ai fait la réflexion de ma sim. Je vous retrouve juste après. Ouais, bon, on peut dire que ma barde est finie. Voilà, les yeux bleus très clairs. La petite blouse qui va. Ouais, elle fait pas très barde, hein, mais bon, on s'en fiche. Hein. Alors maintenant, quelle voix? Comment tu... Tu fais peur quand tu parles. Grelish Prout. Ysagra. Non. Voilà, une voix très douce. Comment va-t-on l'appeler? Bathilde. Relindre. Andruche. La barre caresse. Non, bah, comme je suis partie dans le délire avec les personnages de Game of Thrones, et j'étais en train de me dire. Elle est blonde, et une des rares blondes dans. C'est Cersei Lannister, mais en nom de famille, on va changer peut-être pour une fois Cersei, comme elle est barde. Biatch, allez, truc qui a rien à voir, mais comme c'est une biatch. Eh bien, ce sera Cersei Biatch, et on va lui donner en quoi? En caractère. Elle est avide. Veulent de l'argent, tout ça, c'est vrai, ça, elle est comme ça, Cersei. Ouais, tellement. Ah, elle parle bien. Alors, on va mettre ça. Malveillante. C'est en oui, c'est... Oui. Négligé. Orpheline, optimiste, proche de la nature, solitaire, vaniteuse. Ouais, vaniteuse. Alors, elle est éloquente et vaniteuse et débauchée. C'est tellement ça. Sauf que si je la fais coucher avec trop de mecs, après, elle va avoir plein de gosses, hein. Donc bon, je sais pas trop. C'est dans les Sims médiévales où on a des enfants comme ça. Hein. Joueuse compulsive, manque d'assurance, maudite, misanthrope. Ouais. Ah ouais. Morose, rustre. Idiote. Se débaucher, je l'ai déjà fait avec Petit, hein, donc. Arrogante, je l'ai fait avec Shirley Rhys.
Cruel, je l'ai fait avec Mélissandre. Manque d'assurance, je l'ai fait avec Aegon. Maudite. Sanguinaire, Trouillard. Armand, elle est pas très aidée quand même. Hein. Bon, allez, non, allez, je sais pas en fait, c'est chiant, faible constitution. Glouton. Non, Glouton, c'est Aegon. En fait, il a plein de points négatifs, le pauvre. J'ai l'impression que je les ai tous faits déjà, en fait, les points négatifs, c'est pour ça. Sanguinaire, c'est. Pas Shirleris aussi, ça? Je sais pas. Bah, on va remettre Cruelle parce que ça lui va bien. Elle sera vaniteuse et cruelle, mon dieu. Quel sacré morceau, celle-là. Attention, on est parti, on a accepté, on a une nouvelle sim. Ok, meublé, oui, très bien, meublé. Oh, ben voilà, notre maison. C'est bien, c'est parfait. On a un lit ici, on a un miroir. Je vais jeter, je vais pas prendre ce lit ici, je vais prendre un lit double. Oui, je sais, mais t'inquiète, je vais trier par catégorie, fonction, confort. Voilà, un lit double. Pour madame... Ah, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Ok. Mais je le vois pas, moi. Je peux pas le mettre. Hors des limites. C'est une blague. Oh, mais bon. Je comprends pas. Mais hors des limites, mon cul! Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est? Ah, bah je suis rentrée dans le truc. Mais ouais, oui, mais je veux bien meubler, moi. Mais qu'est-ce qui m'a fait encore ce PC, là, ce jeu? Il est con, quoi. Bah oui, je sais pas, là. C'est très bizarre, je vous dis, moi. Bon, j'ai essayé de meubler ça et je vous reprends après. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. En fait, j'étais pas au bon étage. Allez, on va y partir pour les quêtes. Monde idéal, vacances royales, esprit rebelle, apocalypse, machin. Roi d'un jour. Alors, il y a un truc de musique. On va voir si je peux jouer avec... Non. Temps libre. L'occasion de s'amuser. 4 sims. Temps libre, 3 sims. La troubadouresse. Ok. Non, je veux faire une quête, quoi, quand même. Que c'est pas les couilles. Esprit rebelle. Fermer l'école. Encourager. Mais non. Moi, je veux défi du pêcheur. Mais on l'a déjà fait, ça, non? Participer. N'importe quel héros. Bon, bah, on va faire le défi du pêcheur avec Cersei, la troubadouresse. Le défi de pêche de Chabit venait de commencer. Il était ouvert à tous les sujets, mais peu avait le talent et l'expérience nécessaire pour battre les pêcheurs chevronnés. Ok, on est parti. Voilà Cersei. Anaclet, le conseiller royal, avait annoncé l'ouverture du concours de la pêche annuel de Chabit. Tout le monde pouvait participer. Anaclet, le conseiller royal. Oui. Donc voilà notre nouvelle maison. Alors vous voyez, j'ai réussi à mettre le lit. Parce que ça, c'est chez elle. Et là, je pense qu'elle va jouer du luth. D'accord, parce qu'elle en a effectivement sur elle. Nous avons finir d'écrire une pièce et s'entraîner au luth pendant 2 heures. Et on va voir Anaclet tout de suite pour le concours de pêche. Il me semble que je l'ai déjà fait, Kaigon. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, tu vas parler à Anaclet. Dis donc. Oui, non, elle commence bien, celle-là, ivrogne. Je l'ai pas mis ivrogne. J'ai mis des... Je sais plus ce que j'ai mis. Est-ce qu'avec le truc du crabe là? Vous voulez participer au concours? Il est ouvert à tous ceux qui n'ont pas déjà gagné. Les droits d'inscription sont à seulement Sim Sim Flouze. Sachant qu'il nous reste 191 Sim Flouze. Gnam, gnam, gnam. Allez, on va essayer de le faire. Oh, il pète! Mais il est dégueu!
Un athlète, s'il te plaît. Quelqu'un doit avoir de meilleures relations. Ok, un athlète. Oh, un athlète, mon petit quéquette. Un athlète, il est très minutieux. Il ne veut pas faire connaissance, il le pète quand je lui parle. Un athlète, le crâne. J'ai encore entendu un P. Ah non, mais ils sont tous en train de péter dans le coin là. Lui aussi, il pète. C'est odieux. Allez, il est glouton. Amical, discuter. Bard. Ouais. Discuter des œuvres artistiques. Ouais. Faire connaissance. Mais il y a des gens qui pètent là. Je sais pas si vous les entendez, mais moi je les entends. Alors, il est où? Ce seuil s'est inspiré de ce système. Boire et manger, vous trouverez. N'importe quoi. Ah oui, carrément! N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que tu connais mieux? Oui, vas-y. Oh, j'imagine que je peux faire une exception. Je vous explique. Celui qui ramènera le plus gros poisson dans les prochains jours remportera le prix. Les précédents vainqueurs, Louvet et Vincent, bah c'est encore les mêmes, pourront peut-être vous donner de précieux conseils. Attention, l'un d'entre eux perd un peu la poule et donne de mauvais conseils, mais j'ai oublié lequel. Moi, je m'étais fiée aux jeunes. Et ça m'avait fait réussir la quête. Je devrais peut-être parler aux deux pêcheurs et voir ce qu'ils ont à dire. Voilà, t'as un jeune et t'as un vieux. Peut-être que je vais demander. Alors, vous voulez de l'aide pour entreprendre ce gentil ma vieux loup de mer et que je suis. Apportez-moi une pomme et on pourra s'y mettre. Oh, et n'écoutez pas Louvet, il n'a pas toute sa tête. Dire au revoir. Pff, non, tu vas lui parler. Qui c'est qui s'habille comme Mâcheur Léris là? Ça va pas du tout ça. Ouais. Alors, et lui, c'était, je sais plus, un ragoût d'anguille. Ouais. Ah, je vois pas normalement, je ne sais pas cuisiner. Surtout, n'écoutez pas Vincent, il ment tout le temps. On va se fier au vieux, hein, cette fois-ci. Voilà. On va, attendez. Louvet. Lui, c'est Louvet le poissonnier. Lui, c'est farce, et ça, c'est quoi? Oh, bah allez, on va quand même. Faut que je fasse un truc d'anguille. Hop, il a la dalle, ciel. Acquérir une grande quantité de ragoût d'anguille. Est-ce que tu peux déjà pêcher de l'anguille, cocotte? Est-ce qu'on peut pêcher de l'anguille, nous, ici? Là, c'est des sangsues, je crois. Ah, c'est des poissons. Pêcher. Va pêcher un peu. Du harangue. Du harangue. Et. Du harangue. Mais putain, on va faire de la soupe d'aran. Laisse tomber. Hein. Il n'a rien récupéré. Et là-bas, tu peux aller voir. Stop. Du hareng. Bah putain, on a une foule hareng. Au pire, on va de toute façon dans. Qu'est-ce qu'il a pêché? On va aller à la boutique Turbo. Ah bah voilà, ça change un petit peu. On aura de quoi faire à manger. La tête qu'elle fait, on va. Moi, on va rentrer. Eh, ça c'est la troubadouresse. Allez, allez, allez. Plus vite que ça, cocotte. Ok. Hey, salut Mélissandre. Hey, salut Aegon. Oh, c'est sympa de vous voir. Quand même, mes petits persos. Ah oui, parce que ici ça picole. C'est où qu'on fait à manger? C'est ici, tu vas faire à manger. Bah, une soupe de hareng. Hein. On va pas se faire chier. Hein. Elle va manger sa soupe. Ok, elle doit absolument s'entraîner aux luttes, mais elle doit finir d'écrire une pièce. Oh là 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 là. Pas assez d'inspiration. Chut. Bard, demander de l'inspiration. Et elle aussi, tu vas demander de l'inspiration. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Thème amour. Ok, thème amour. Est-ce que c'est bon? Ah, écrire une comédie. Vas-y.
Titre de la pièce, costume chevalier. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est trop drôle. Titre de la pièce. La reine. Attention, hein. Qui couchait avec son frère. C'est une boutade, parce qu'en fait, dans la série de Game of Thrones. Non, on s'en fout. Quand la série de Game of Thrones, Cersei, donc elle, oh, la tête qu'elle fait. Elle a trouvé à négliger ses responsabilités. Mais non, il reste encore du temps! Ah, je suis dégoûtée. S'entraîner. Elle couche avec son frère, en fait. Voilà. Mais, ah non, j'ai dit non! Non! Ah, ça commence. Lève-toi! Oh bah c'est trop tard. Oh bah c'est trop tard, j'ai loupé tous mes trucs. Ok, c'est bon. Non, pas te détendre. Tu vas dormir. Oh, excusez-moi, je sais plus ce que je fais, mais c'est pas grave. Tout va bien. La musique qui continue à fonctionner, tout va bien. Bon, par contre, meuf, tu te lèves quand même, il est midi et demi. Ouais, bah tu te dépêches, quoi. Allez, soupe de hareng pour le petit-déj. Allez, mange. Tu vas faire tes obligations avant de partir. Hein. Déclamer un poème. Chercher inspiration pendant 2 heures. Oh putain, et c'est chiant. Faut que j'en demande à tout le monde. En fait, faut que. Ouais, faut que je. Ouais, je peux pas avec les enfants. Hein. Faut que j'harcèle tout le monde. Thème amour. Voilà. Ça. J'ai compris. Tiens, on va manger. Ok, super. Allez, donc, on va... toi, je t'ai déjà demandé. Ouais. Ok, on a 2 et 2. Font 4, c'est quoi ça? La reine qui couche avec son frère. Ouhouhouhou. Alors, écrire une comédie, écrire un poème. Donc, il faut que je fasse un poème. On va mettre 2 fois amour. Ah, le titre du poème. Le cœur fondant. Pff, je dis de la merde, hein, s'en fout. C'est pas moi qui l'ai fait, les poèmes. Ça, c'est à écrire un poème. Il se trouve dans l'inventaire. Il faut qu'elle le déclame. C'est-à-dire. Ah, attendez, il faut que je descende. Est-ce que c'est ici? Réciter de la poésie. Ouais, allez, vas-y. Le corps fondant. Bah oui, j'en ai qu'un, cocotte. Zéro simflouze. Ça n'a servi à rien, déclame un poème. Mais. C'est bon! Chercher l'inspiration pendant 2 heures. Chercher l'inspiration pendant 2 heures. Okay, comment tu fais chercher l'inspiration? Cassez-vous de chez moi, vous là, sale gosse. Non mais dis donc, on va aller au village. On va chercher de l'anguille, quand même. D'ailleurs, plus vite d'aller l'acheter que de la pêcher. Hein. Moi, je trouve parce que là, c'est bon quoi. Elle a dû manger. Quoi qu'on n'a pas beaucoup de thunes. Alors l'anguille à 18, on a combien? On a toujours ça 91, 2, 3, 4. Allez. Est-ce qu'on peut vendre des trucs? Ah, quand même, hein? Ça nous rapporte des thunes. On va vendre un turbo. Hop. Comme ça, on a récupéré aussi un peu de sous. On va rentrer à la maison, si tu veux bien. Ok. On va faire à manger. Soupe d'anguille. Vas-y. Non, non, ça, tu la manges pas, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Mettre dans l'inventaire. Ok, on va leur demander de l'inspiration aussi aux gens là. Comme ça, c'est fait. On aura de l'inspiration. Il y a Pétir aussi, on va lui demander. Boire à manger. Boire et à manger. Thème amour. En fait, c'est. Ah, thème nature. Ah, quand même. Est-ce que tu as. Lire un poème. Faut rechercher inspiration.
T'aimes boire et manger, ok. Est-ce que toi, on peut te demander aussi? Badminton. Mais tombé, tout va bien. Non mais voilà, on a plein d'inspirations comme ça. C'est vu que ça fonctionne comme ça, mais c'est dommage, les enfants ne peuvent pas le faire. Tiens-toi, Bard, demander d'inspiration. Thème amour, ok. On aura pas mal de choses. On a fait acquérir une grande quantité, donc on va refaire de la soupe d'anguille. Hein. Tiens, Aegon est de retour. Tu remets dans l'inventaire? Est-ce qu'on est bien ou pas? Encore. Vas-y, fais à manger encore une soupe d'anguille. Hop. Est-ce qu'on est bien? On va refaire un. Est-ce que c'est ok? Comment ça va? J'ai oublié. Elle a pas fait toutes ses responsabilités. Donc cette fois-ci, tu vas manger pour toi. Soupe de hareng. Ah, elle est dégoûtée par. On s'en fout. Tu la manges quand même. Mais non, elle a bouffé la soupe d'anguille, cette conne. Oh non, il faut que j'aille voir le mec. Acquérir une grande quantité. Mais un ragoût. C'est un ragoût, hein. Soupe. Mais non. Ah putain! Oh mais merde! Du coup j'ai tout niqué mes espoirs. Alors, une anguille, un chou, un œuf. Attendez, parce que là, je vais refaire le. Je vais faire l'inventaire du truc, hein. Parce que sinon on n'a pas fini. Attends, je prends un petit papier. Ok! tu vas retourner au village. Attends, tu peux lui demander de l'inspiration. Et elle aussi. Ouais, on a tant qu'à faire. Laurel passe une mauvaise journée. Je m'en fous, moi, qu'elle passe une bonne ou une mauvaise journée. Qu'est-ce que j'en ai à péter de sa life, hein? Alors, paf, 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 pif, pouf. On va retourner au village. 151 simflouz. Ça devrait aller au niveau de la thune. Alors, du miam, on achète un chou. Hop, ça va, c'est pas cher. Une anguille. Après, un œuf et un oignon. Œuf et oignon. Ça va. Ok, c'est bon. Alors, après les événements suscités par les rues bondées, Cersei, la troubadouresse, prit un raccourci à travers une partie difficile de la ville. Les rues étroites et difformes devinrent plus sombres et plus inquiétantes. Soudain, un gang de personnes en cagoule entoura Cersei. L'or ou la vie, soufflèrent-ils à l'unisson. Ouais, j'ai pas grand-chose, j'ai 122 simflouz. Leur faire la leçon, c'était vraiment triste. Ces voyous avaient juste besoin d'être conseillés et guidés pour revenir dans le droit chemin. Ils n'étaient que le produit d'une société impitoyable, machin. Ou fuir. Leur faire la leçon. Cersei la troubadouresse essaya de se raisonner, Renega, mais ses paroles sages ne provoquèrent que des regards résignés et indifférents. Des regards ainsi qu'un gros coup de poing dans la mâchoire. Cersei réussit à s'enfuir après une violente bagarre, le cœur meurtri par cet incident. A reçu des soins d'esprit à coup de poing. Oh, mais c'est con, hein, quand même. Ah, hein. Oh, ça, c'est pas lourd, hein. Eh, tiens, rentre. Là, on rentre à de baraque. Oh. Franchement, c'est dommage. Oh, tu vas. On va mettre toutes les bouffes là. On va pas les garder sur toi parce que sinon. Voilà. On va aller au dodo. Et on passera à la nouvelle journée après. Allez, Sosei, on se le réveille. Tout, 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 t'as toujours ton coup de poing, mais c'est pas grave, tu peux lui demander de l'inspiration. Je sais pas pourquoi il m'a fermé la porte. Demande d'inspiration. Thème art. Oh, super. On a quand même pas mal d'inspiration. Tu vas faire à manger pour Watt. Alors, soupe, ragoût d'anguille. Non. Oui, soupe de hareng pour toi. Ça, tu manges tout de suite. Manger. Voilà. Et après, tu vas nous faire le fameux ragoût. Quand même, chiant à. On a mis du temps.
Ok, tu vas le mettre dans l'inventaire. Voilà. Ça ressemble à ce que le pêcheur voulait. Donner du ragoût. On a mis le temps, mais on va le faire, son ragoût, hein. On va arriver à faire la mission. La dernière fois, c'était juste une pomme. C'était beaucoup plus facile. Alors, le vieux. Oh, pétir! Quoi? Ce ragoût a l'air délicieux. Dommage que je ne puisse pas le manger. Oh, vous avez cru que c'était pour moi? Non, en fait, les pêcheurs s'en servent comme appât. Emmenez-le à la mare et essayez d'attraper un beau poisson. Ça va mordre à tous les coups. Mais quoi? Un poisson gagnant. Je vais enfin pouvoir le pêcher. Tu peux donner de l'inspiration aussi, au passage. Ben, oh, mais comme c'est un truc chiant qu'il faut faire tout le temps. Boire à manger. Ah, animaux de chasse. Ça change un peu. Animaux et chasse. Super. C'est ici qui est la quoi? C'est la barde? Non, c'est ici. Récupérer des sons de support. Pêcher. Turbo. Hé, nous avons là les gagnants du concours. C'est sûr, semble que les poissons adorent le ragoût d'anguille. Donc elle l'a dépensé là, son ragoût. Poisson potentiellement gagnant. Dac, tu peux repêcher un coup là pour quoi que tu mangeras après. Une truite. Très bien. Tu vas montrer le poisson. Je pense que de toute façon, on n'y est pas encore, vu qu'il faut avoir le homard géant, là, je sais pas quoi. Alors, un athlète. Non, bah non, on n'a pas gagné. Hein. Malheureusement, non. Bonhomme, le bourguignon a déjà ramené une grosse tanche et mène la compétition. Nyeh. Discuter du concours. C'est ça, hein. Discuter du concours avec Louvet. Ouais, c'est ça. Ah, il faudra pas que j'oublie de jouer un morceau de lutte. Oh, ma fille, je ne pensais pas que cette truite allait gagner. Nous allons nous en servir. Bah, la truite, c'était une tanche, faudrait savoir. Pour appâter un beau poisson beaucoup, beaucoup plus gros. Une baleine. Vous relevez le défi. La vache, une baleine? On va y aller, attends. Bon choix, fillette. C'est une baleine qui a tué mes parents. Je n'ai jamais pardonné ces sales bestioles. Mais peu importe. Dans un premier temps, il va falloir un harpon à baleine. Heureusement, il y en a dans la plupart des magasins. Bon. Je suis contre la chasse à la baleine. Enfin, on fait ça pour pas grand-chose. Ok, non. On doit rien faire. Tu peux lui demander de l'inspiration, allez. Boire et manger, ok. Très bien, on faut qu'on aille acquérir un harpon à baleine. Certes, mais nous devons jouer un morceau de lutte. Ça doit quand même. Jouer une chanson, allez. Jouer une chanson, cocotte, je t'ai demandé. Et elle finit d'écrire une pièce. Ok, il nous reste un peu de temps. On va quand même aller au magasin tout de suite. Là-bas, pour le harpon à baleine. Go, c'est parti, mon kiki. Cessa et la troubadouresse marchait dans les rues animées de la ville quand elle vit un homme d'apparence misérable. Pardon, misérable, qui l'appelait. Le petit homme donna une petite tape sur la tête de son sanglier de compagnie. Ah oui! Le truc, placer le pari et refuser le pari. Je vais placer le pari. Ok, bon, on sait pas ce qui lui est arrivé. Objet. Je suis pas sûre d'avoir la thune, hein. Harpon à baleine 70. C'est bon, ça passe. Acheter le produit. Ok, on pourrait pas acheter des trucs viande de volaille 10. Allez, on va acheter un peu ça. Ajouter au panier. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on peut vendre des trucs? On va l'acheter avant parce que ça, c'est de la merde à chaque fois. Alors, viande de baleine turbo. Harpon à baleine, cœur fondant. Non, ça va, on a quoi manger un peu quand même. Alors, je n'arrive pas à croire que je vais chasser la baleine avec ce truc, qu'à ça ne tienne en route. Alors, la suite. Ça, c'est la troubadouresse posa ses simflouzes sur la table de fortune du bonheur. L'escroc édenté présenta la perle avec un petit rire moqueur, puis la fit prestement disparaître sous l'un de ses coquillages. Ses mouvements étaient rapides, bien trop rapides en fait, pour Cersei qui n'eut aucune chance. En s'éloignant, la bourse partiellement délestée, Cersei entendit le ricanement du bonheur. Ben ouais. Tu rentres. Tu rentres à la maison. Je ne sais plus. Je ne sais plus cliquer comme il faut. Faut que tu fasses une pièce. Faut que tu fasses une pièce. Alors, on va mettre
T'aimes boire et manger, t'aimes amour et t'aimes animaux et chasse. Costume chevalier roturier noble. Le titre de la pièce sera. J'en sais rien. Dans les bois, le sanglier. Ruche. Mais non, mais c'est chiant. Qu'est-ce que vous voulez que je mette comme titre? Celle-là, c'est sacré, elle se trouve dans l'inventaire. J'ai bon, j'ai enfin fait mes. Oh, alléluia, alléluia. Soupe de truite. Allez. Vas-y, mange. Là, il y a du monde, tu vas pouvoir. Ah, bah non. Trait. Faire connaissance. Ah, d'accord. Barde. Trop demander de l'inspiration. Gentille. Barde. Non, l'inspiration. Ouais, j'ai un peu toujours les mêmes thèmes, mais au moins elle en a quoi. Thème amour. Oh bah oui, tiens, c'est ça change. Tu vas être couché. On va passer la journée d'après, parce que sinon. Ok, on est reparti pour une nouvelle journée. Il est 5h du mat. Tu peux. Bard, demander de l'inspiration. Et Aegon, et lui, il est là, il traîne. Voilà. Thème guerre. Ah, quand même. Thème guerre. Ah, super, merci. Ça me fait deux nouveaux thèmes. Et on va aller à cet endroit. Je ne sais pas où c'est, mais on va y aller. Est-ce que c'est la forêt ou la grotte? On n'y a pas encore été, hein? Non, parce que ça se joue au bord de la mer, donc ça va être là. Voilà, c'est toujours un même endroit. Et on doit aller chasser la baleine. Je vais arriver à me diriger. Chasser la baleine. Allez, go, ma petite Cersei. Ouh, des saucisses. Allez, Cersei, ramène la baleine. Ouh, oh, l'illustration, elle est belle. Le ciel s'assombrit et la mer commença à s'agiter dès que le bateau sur lequel se trouvait Cersei, la troubadouresse, quitta le port. Elle savait que, de toute manière, ce voyage allait être difficile. Les jours passèrent et la baleine ne se montrait pas. Cersei commençait à regretter d'avoir fait confiance à Louvet. Oh punaise! Oh le monstre! Oh, c'est pas une baleine ça, c'est un alien! Tout à coup, une énorme baleine apparut. La créature géante attaquée par tribord devant. Elle allait briser le bateau, sauf si. Cersei, la troubadouresse, réagit vite. Elle se précipita vers le bastingage, leva son harpon et visa. Félicitations, ça s'est atteint le niveau 2 de la profession barde. Consultez l'anglais-simologie. Ok. Et on va aller voir un athlète raconter l'histoire de la baleine. Mais tu as la baleine dans ton sac à dos? Trophée de baleine. Énorme. Bah là, on a gagné. Ah, au fait, j'ai réussi à choper une baleine, regarde. Ouah! Quelle histoire! J'imagine que vous avez des preuves, oui! Alors je n'ai pas d'autre choix que de vous déclarer vainqueur, Cersei. Félicitations! Oui! Le défi du pêcheur! Avec l'aide d'un pêcheur expérimenté, Cersei a remporté le concours de pêche. Elle a été très acclamée, du moins par la communauté de pêcheurs de Chabit. Mais qui gagnerait l'année prochaine? Bah, l'année dernière, c'était Aegon. On a déjà fait le tour du calendrier, on dira ça. Et voilà, c'est Cersei. Et voilà, on a terminé pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu pour les Sims médiévales avec un nouveau personnage de Bard. Je pense que je vais continuer quand même sur cette partie à faire tous les persos qu'on n'a pas encore vus. Même si je peux aller dans un autre cercle là, comme je vous avais montré. Je sais pas trop, parce que en fait on recommence tout et c'est pas intéressant. Ça sert à rien de refaire 15 000 fois les mêmes missions avec d'autres persos en fait. Donc je préfère garder ma partie comme ça initiale avec Shirlerys, Aegon et compagnie. Puis comme ça vous connaissez vous aussi les persos et vous êtes moins perdus. Allez, en tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt pour la Sims, pour la suite des Sims médiévales ou d'autres choses. Allez, salut.